après... Oula, ma chaise qui tourne. Après vous avoir fait un petit sondage, bonjour à tous au fait. Je vous ai demandé si vraiment les retours de course ça vous intéressait. On était à 85% hier soir. Nous sommes ce matin, c'est là que la tendance est inversée, on ne le fait pas. 84%. Bah écoutez, on va se faire ça. Vous avez vu le titre. Effectivement, ce sont des... J'ai un petit truc dans l'œil. Ce sont des courses 184 euros. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a énormément de choses. Mais ce sont quand même de très beaux produits. On a pas mal de bio. On a des petites choses un peu spécifiques. Si vous suivez mes vlogs, je vous expliquais que je voulais changer... Pas tant mon alimentation, mais l'ordre des choses. J'adore le sucre, j'en mange beaucoup trop et je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'effets compliqués sur moi. Enfin, moi, je le ressentais et je voulais inverser, ne plus prendre de sucre le matin. J'ai commencé depuis déjà ce matin, hier matin, ça va. Et pas mal d'autres petites choses que je veux changer dans mon alimentation. Et forcément, tout ça, ça a un coût. Je commence par... Attends, il y a les surgelés. Je vais chercher les surgelés, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ça va. Jack me fait peur là, il est encore très très proche de la caméra. Moi je veux bien que tu restes là, mais tranquille. Alors ça, ce sont les galets. Les galets Bon Duel. Haricots verts, courgettes, épinards, pois et crème que je consomme, donc c'est très rapide au micro-ondes. Je suis pas la meilleure cuisinière, je prends pas vraiment le temps, donc ça pour moi c'est parfait le midi. Du saumon de pavé cru bio. Je vais quand même chercher le ticket. Je me munis du ticket. 189,59. Ouais, donc on peut dire 190 euros quand même. Hein. Donc ce pavé, voilà. Ah bah si, remarque, c'est... Poissonnerie. Deux pavés comme ça de saumon bio. 12,34 €. J'ai pas intérêt de les foirer. Arrête, Jack. Chair ferme et délicate. Escale. Je connais pas cette marque. Ensuite, nous avons... Ça, c'est pas des frites. Ce sont les signatures Crunchy Petal. Nutri-Score A. De temps en temps, j'avoue, je les trouve pas mal du tout. Purée 4 saveurs, 2,99 €. Et les frites, 2,59 €. Enfin, les signatures. Je file au congé. J'enchaîne avec le frais. Tchac, non. Mets-toi là, j'ai une petite chaise spéciale pour les Jackie. Juste à côté de maman. Viens là. Non, tu ne veux pas. Bon. Des œufs. Franchement, c'est que pour moi, je pense. Parce qu'Eric, il en mange pas des masses. Donc j'ai pris une grosse boîte, des œufs bio. J'ai déjà commencé ce matin avec un petit œuf à la coque. Je me suis régalée avec mes petites mouillettes. C'était très très bon. Je compte en manger un petit peu plus, donc c'est pour ça que j'ai voulu en prendre 12. Des œufs bio matine x10. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il n'y en a que 10. Ok. Bon. Il en reste 9. Ensuite, j'ai repris donc le houmous que je vais peut-être prendre également un petit peu le matin. Puis le soir, houmous toujours bio. J'ai regardé un petit peu sa composition et c'est vrai que le bio il est plutôt pas mal. Le houmous coûte 3,57 €, mais très honnêtement, bon, Eric il tape dedans aussi. J'en prends pas beaucoup, ça me dure quand même. J'en ai pas beaucoup à chaque fois. Une des bases de mon alimentation, le chavrou qui est quand même excellent comme fromage, notamment le matin. J'en ai pris ce matin sur mes mouillettes, c'est passé hyper bien. J'avais un doute, moi j'adore, mais c'est plutôt le midi ou le soir. Je vous montre pas forcément tous les prix, je vous montre vraiment les prix des choses un peu bio, un peu spécifiques. Donc mes tranches, pareil, qui vont venir agrémenter peut-être le matin aussi. Pour le matin, poulet, donc forcément sans nitrite. Je me suis pas plantée. Non, sans nitrite, extraits végétaux antioxydants, moins 25% de sel. Voilà, il y en a combien? J'en ai pris 4 tranches, non? Oui, 4 filets. On va tester, mais bon, une fois sur deux, moi, ça me fait mal au ventre. Cela, même si je ne suis pas très light, moi, j'évite de prendre du light. Par exemple, je privilégie le beurre à la margarine. J'en mets très peu de beurre, mais je préfère mettre du bon, du vrai beurre. Donc, ouais, tout ce qui est 0%, général, je ne prends pas. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont bons, surtout saveur vanille. Que je vais agrémenter, je vous verrai juste après avec d'autres petites choses. Il y a plein de petites tomates, mais il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a qui viennent de un peu partout, il y en a qui sont pas top. J'ai pris celles-ci, ce sont les tomates cerises allongées qui proviennent du coin en fait. Forcément c'est un petit peu plus cher, elles sont bonnes en plus celles-ci allongées. Elles viennent d'où les petites? Il y a marqué origine France. Mais ouais, je n'en sais pas plus. 2,39 € la petite barquette. J'en ai pris deux sachets. Donc celui-ci, je l'ai ouvert déjà hier soir. Deux petits sachets comme ça de chou-fleur que je consomme cru. J'adore ça. Juste avec un petit filet d'huile d'olive.
2,14€ un petit sachet. Pareil, hein, ça aussi, ça fait partie, c'est la base de ma nourriture. Comme je les mange crus, je les rince quand même. Mais je prends toutes mes carottes crues bio village. Ça vient d'Espagne. Comme elles viennent, mais il n'y en a pas de France, comme elles viennent d'Espagne, ben je les rince vraiment bien. Je mets également du vinaigre blanc. Et bah hier soir, par exemple, j'ai fait ça avec un peu de fromage. Je me suis régalée, je les coupe finement, croquantes. J'adore sel, poivre. 3 sachets de mozzarella. Je vais vous donner quand même le prix de mes carottes. Ça me fait quand même un bon moment, hein, le sachet. Mes carottes sachets, c'est 3,49€. J'ai une peluche sur la lèvre. Des avocats mûrs à point pour le matin. Je vais tester. Ça me fait pas envie le matin, hein, j'avoue. 2,59€ la barquette de 2. Des bananes, même si, bon, il faut y aller tranquille. Surtout moi qui me déclenche très souvent des migraines, il faut éviter. La banane trop mûre en tout cas. Mais je sais qu'Eric va en manger, mais quand même, j'ai quand même envie d'en mettre dans mon alimentation. Un petit peu. Je suis passée donc à ce pain que je viens mettre au four pour son côté croustillant. Seigle, graines, recette riche en fibres. Comme ça, c'est pas ouf. Grillé, c'est quand même très très bon. C'est ce que j'ai pris d'ailleurs. Ça ressemblait à ça ce matin. Avec mes mouillettes, c'était excellent. Des fruits. Et ça va me servir. Ça va être mon sucre que je vais manger sur les plus de 4 heures, 5 heures. J'en ai déjà mangé une hier. Donc, c'est les Bio Village. J'en ai pris 2 petites barquettes. On a les Golden Jaunes qui sont à 2,29€. Donc, celles-ci sont beaucoup plus chères. Et nous avons les Bicolores qui sont à 1,99€. Il me semblait que j'avais... Ah oui. J'ai pris une barquette de 6 kiwis bio. 3,59€ les 6 kiwis. Bjorg noisette les végétales pour me faire des petits porridge. Soit le matin ou plutôt l'après-midi. Donc j'ai galéré hein, pour trouver le porridge. C'est aux 3 céréales. Avoine, blé, épeautre. Et je pensais justement mettre ça, des petits morceaux de banane pour que ce soit un petit peu plus consistant. Combien coûte le porridge? T'as une idée toi, Jack? Combien ça coûte? Tu sais toi? Le porridge coûte 2,75€. J'ai pris dans le vrac des graines de chia que j'ai commencé à saupoudrer. Si tu peux le mettre, on peut le mettre vraiment partout. Moi, je les ai mis hier dans ma salade, on peut le mettre dans les yaourts. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça aiderait un petit peu à prévenir les... Arrête, non, ne te frotte pas. À prévenir les migraines. Et 1,72€, j'en ai 174 grammes. Toujours dans le sachet. Donc ça, c'est gingembre. Il faut toujours que j'en ai à la maison. Ça me sauve, entre guillemets. En tout cas, ça m'aide pas mal quand j'ai des nausées, quand j'ai mal à la tête. Ça fait digérer vraiment bien. 53 centimes le gingembre. C'est un tout, c'est pas un très gros. Il n'est pas hyper gros. 53 centimes. Je me suis pris, je dis je me parce qu'il n'y a que moi qui en mange, des boîtes de maquereaux. C'est pas mal de mettre ça dans son alimentation. Et vraiment, j'adore ça. Donc j'ai pris un petit citron bio. J'ai pris un petit maquereau sauce tomate et basilic. Et enfin, moutarde douce bio. 2,52€ le maquereau bio, l'autre c'est 1,86€. Ouais, donc les prix varient quand même, hein. Pas mal d'un maquereau à l'autre. Aïe aïe aïe. Ok. Du millet qui se cuisine bah, comme des pâtes, je pense. Oui, ça, dans l'eau bouillante. Pourquoi j'ai pris du millet? Donc il est décortiqué. Pareil, pour les migraines, c'est pas mal, c'est préventif. Je sais pas si c'est vraiment bon. Ceci, alors ça c'est pour Eric et moi, donc pareil. Les authentiques. Arrête, Jack! Non, 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 te frotte pas. Les Vasa authentiques. Ça c'est un peu mon péché mignon du moment, à tel point que j'ai tapé dedans hier soir. Donc j'ai pris des cacahuètes salées et j'ai pris, ça c'est plutôt pour lui parce que le sel vaut mieux qu'il évite, des cacahuètes non salées. Une petite soupe, enfin non, 2 petites soupes bio. Légumes verts, c'est ça, petit moulinet de légumes verts, 100% d'ingrédients naturels. Ceci, je pense pas en acheter,
du thon entier, donc je pense que je vais les faire avec des œufs, enfin pas mal de choses. J'aime beaucoup moi, ne serait-ce que rien que du thon mis avec un filet d'huile d'olive, je craque complet. Je suis pas si difficile que ça finalement comme nana. Ah oui, bah attends, j'avais oublié. J'ai pris de la viande rouge. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un steak à griller. Donc, un steak à griller, un faux filet, pareil, et un deuxième faux filet. Ça, c'est pour nous deux. J'ai pris également... Oh, le matin, ça va être chaud. Ce sera plutôt le midi. Tendre fine, je vais me faire des filets de dinde, comme ceci. Et également... plein champ, il faut bien que je regarde les dates, hein, parce que alors là, les boules, c'est poulet plein. Donc, pareil, des petits morceaux de poulet comme ceci. Ça va vite, hein. 6 tendres dinde, 6,05€. 2 filets jaunes, 5,60€. J'ai repris ma minestrone pour dépanner le soir. C'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un petit plaisir à manger. De la roquette. Ah, j'étais assise sur mes chevilles. Ouf! Ça circule plus. Ça, c'est pour Eric. Moi, je n'aime pas ça. Des saucisses végétales, je lui ai pris 2 sachets. Et là, vous vous dites, ouais, mais Eric... Alors, il va manger de la viande, mais il a déjà, lui. Parce qu'en fait, on ne mange pas la même chose. Et lui, il a déjà sa bouffe dans le frigo. Donc, je lui ai quand même repris, parce que... J'ai repris également 9 sachets pour lui. Donc, il aime beaucoup. Pareil, le midi. Il se fait son petit sachet. Moi, pareil pour le midi, j'ai pris juste ces 2 sachets. Et celui-ci, j'aime bien. Poulet aux olives. Le mystère des barrettes, j'en fais partout. J'ai dû en racheter parce que j'en trouvais plus. Je me suis pris également 2 barrettes moyenne taille. Et j'en ai une grosse. C'est la marron, mais version plus grosse que j'ai déjà dans mes cheveux. Ça a coûté d'ailleurs ces petites barrettes. Oh. Ah, DPH. 3,75€ pince fantaisie, pince puce les petites 3,75€, accessoires tendance 1,98€, c'est la grosse. Mes cotons, le palm olive que je mets dans la cuisine pousse-pousse 2,22€. Et j'ai pris également un pack de coca de grande bouteille zéro. Et c'est tout. 190€, on va dire. C'est cher quand même, c'est assez cher. Je vais en avoir pour un bon moment, parce qu'à chaque fois, je me fais quand même des petites quantités. J'ai quand même l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, ça, crackers, excellent. Je les ai ouvertes, pareil, hier. C'est trop bon, ça. Par contre, j'ai pas vu, il faut que je les scanne. Mais je pense que c'est pas mal salé. Au blé complet, pour l'apéritif. Je pense qu'on est bon, là. On a tout terminé pour ce haul. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce type de vidéo, si vraiment pour vous c'est pertinent, ça vous intéresse, ça vous donne des idées, auquel cas je continuerai. Comme je vous ai dit, donc je fais des vlogs le vendredi soir, le dimanche soir que je publie. Et entre deux, le vendredi, je fais une petite vidéo face cam. Donc là pour l'instant j'ai commencé à faire des retours de course, mais je ferai peut-être des hauls vêtements ou vous montrer différentes choses. N'hésitez pas si vous avez des petites idées, que vous avez envie pour les vidéos face cam en tout cas, que je parle de choses précises ou que je vous montre des choses précises. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et on se dit à dimanche pour le vlog. Ciao, j'ai tout à manger.